وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، notre histoire aujourd'hui, c'est une histoire qui est dans le Sahih al-Bukhari, histoire de Abu Huraira radiallahu anhu. Il raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la responsabilité de garder la zakat de Ramadan. Il dit, une personne m'est venue et il a commencé à voler dans la nourriture. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit, par Allah, je vais t'emmener au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis dans le besoin et j'ai une famille à charge et je suis vraiment très pauvre. J'ai un grand besoin. Il a dit, j'ai eu pitié pour lui et je l'ai laissé partir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, « Oh Abu Huraira, qu'as-tu fait de ton prisonnier la nuit dernière ?» Il a dit, « Oh messager d'Allah, il s'est plaint d'être dans le besoin et qu'il avait une famille à charge. Alors je lui ai fait miséricorde et je l'ai laissé partir. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sache qu'il t'a menti et qu'il va revenir. » Et Abu Huraira a dit, « J'ai su qu'il allait revenir, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il allait revenir. » Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, « Il va revenir, il t'a menti. » Abu Huraira a dit, « J'étais sûr qu'il allait revenir, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il allait revenir. Alors je l'ai surveillé. Et il est revenu prendre le deuxième jour encore de la nourriture. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit, cette fois, je vais t'emmener voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis pauvre, je suis dans le besoin, j'ai une famille à charge, laisse-moi, je ne reviendrai pas. Il lui a fait miséricorde, il l'a laissé partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oh Abu Huraira, qu'as-tu fait de ton prisonnier hier soir? Il a dit, il s'est plaint d'être pauvre, d'être dans le besoin, alors je l'ai laissé partir, j'ai eu miséricorde pour lui. Il a dit, il t'a menti, et il va revenir. Le troisième jour, il est encore revenu prendre dans la zakat. Il l'a attrapé. Il a dit, ça fait trois fois, tu me jures que tu ne vas pas revenir et tu reviens. Il a dit, cette fois, c'est fini. Je vais t'emmener voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je l'ai laissé. Quand je suis arrivé au prophète, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, qu'as-tu fait de ton prisonnier hier soir, ya Abu Huraira? Il a dit, il a prétendu m'enseigner quelque chose qui me sera bénéfique. Il m'a dit que si je lisais Ayat al-Kursi en entier avant d'aller me coucher, je ne cesserai d'avoir une protection d'Allah jusqu'au matin et aucun Satan ne m'approchera. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, sadaqaka wa huwa kadhoub. Il t'a dit la vérité, pourtant c'est un grand menteur. Il lui a dit, est-ce que tu sais à qui tu étais en train de parler depuis trois jours, depuis trois nuits à Abu Huraira? Il a dit, non, au messager d'Allah. Il a dit, c'était un shaytan, c'était un Satan. Donc, il y a beaucoup de versions véridiques qui ont été rapportées au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de Abu Huraira, radiallahu anhu, avec les shayatins, les satans et les démons. Et parmi ces histoires-là, il y a une histoire de Ubay ibn Ka'b, qui est rapportée par l'imam ibn Hibban, fi sahih. Ubay avait de la nourriture chez lui. À chaque fois, il regardait, il trouvait que sa nourriture, elle diminuait. Il repart. Le lendemain, il voit, il met de la nourriture, il rajoute de la nourriture, il revient à moins. Il dit, un voleur quelque part. Commence à surveiller. Quand il a commencé à surveiller, il a vu qu'un espèce de, une bête qui ressemble à un enfant pubère qui est venu, qui volait dans la nourriture, dans ce panier ou dans ce vase où il y avait de la nourriture. Il l'a attrapé, il lui a dit, t'es un homme ou t'es un djinn? Il a dit, je suis un djinn, je suis un démon. Il a dit, donne-moi ta main. Il a dit, j'ai vu une main, une patte, comme une patte de chien avec des poils de chien. Je lui ai dit, pourquoi tu viens voler ma nourriture? Il a dit, on a su que toi, tu es quelqu'un, tu fais beaucoup de sadaqa. Donc, on a voulu nous prendre une part aussi.
Et il lui a dit, si tu lis Ayat al-Kursi, aucun shaitan ne s'approchera de toi cette nuit-là. Dans une autre version, sahiha, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, un homme parmi les hommes, un homme est sorti et il a rencontré un djinn. Ce djinn lui a dit, il a dit, si tu arrives à me battre, je vais t'enseigner un verset. Si tu le récites, il n'y a aucun shaitan qui rentre dans ta maison. Il l'a combattu, il l'a battu. L'homme, il a battu le djinn. Il a dit, t'es faible. L'homme, ce parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je te vois bien maigre, t'es tout sec. On dirait tes avant-bras, c'est comme les avant-bras des chiens, tout sec. Il a dit, vous êtes tous comme ça, vous les djinns? Vous tous? Ou toi seulement, t'es comme ça, t'es faible? Il dit, moi, ça va pas, je suis parmi les plus forts, les plus costauds parmi les djinns. Il a dit, fa'awidni. Il a dit, vas-y, on fait un deuxième combat. Il l'a battu encore une autre fois. Il lui a dit, tu lis Ayat al-Kursi, car quand tu vas lire, il n'y a pas un Satan qui pourra s'approcher de ta maison, et il sort de chez toi en ayant des gaz comme les ânes. Après, on a demandé à Ibn Mas'ud, qui est cet homme? Il a dit, cet homme, est-ce que c'est pas Omar ibn Khattab? Il a dit, bien sûr, c'est Omar ibn Khattab. Radiallahu anhu. L'imam Ahmed Shakir, rahimahullah, a dit que cette histoire a une chaîne de transmission véridique. La première chose qu'on tire de cette histoire, c'est que le Satan, il sait ce qui est utile pour l'être humain. Et il sait ce qui est bon pour lui. D'ailleurs, c'est pour ça que Shaitan, il essaye de te faire délaisser les meilleurs actes. Des fois, il te prend, il t'occupe avec des actes moins importants que d'autres quand il n'arrive pas à te faire des péchés ou à te faire délaisser les obligations. Il va faire un effort au moins pour que tu gagnes moins de récompenses. Il va pas jeter l'éponge tout de suite comme ça. Alors, Shaitan, il connaît ce qui est bon pour l'être humain. Et il sait ce qu'il faut faire pour plaire à Allah, tabarak wa ta'ala. Et on voit dans cette histoire que, subhanallah, même des fois, un pervers, un égaré, un dévoyé, un débauché, il peut être bénéfique pour toi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, certes, Allah aide cette religion, peut aider cette religion par un homme dévoyé, un pervers. Barakallahu fikum. Ça prouve quoi, mes frères et mes sœurs? Que ce n'est pas parce que quelqu'un il fait du bien que tout ce qu'il fait, c'est dans le bon chemin. Quelqu'un il peut avoir été bénéfique envers toi, bon envers toi sur certains points, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, c'est juste. Par exemple, certaines personnes, on va leur dire, attention, cet acte il n'est pas autorisé en islam, ou cet acte n'est pas dans la sunna, ou cet acte-là est haram, ou bien cet acte-là, c'est une innovation, c'est une bid'a. La personne elle va dire, oui, mais regarde, cette personne qui fait cet acte-là, regarde tout le bien qu'il fait. Il fait telle chose, il fait telle chose. Il enseigne aux gens. Regardez, Shaitan, il enseigne pas aux gens. Shaitan, il a enseigné à Ayatul Kursi. Donc, reconnaître est-ce que une pratique est bonne ou mauvaise, ce n'est pas en regardant si la personne fait des bons actes seulement. Mais on doit juger cet acte en lui-même avec le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des sahaba, radiallahu anhum, des imams de l'islam. C'est avec ça qu'on reconnaît est-ce qu'un acte est juste ou faux. Et non pas parce que quelqu'un fait beaucoup de bonnes choses, alors tout ce qu'il fait c'est juste. Non, tout être humain déjà est manquant. Et quelqu'un peut t'enseigner un bien, pourtant lui c'est un égaré. Regardez Shaitan. C'est qui a enseigné Ayat al-Kursi à Abu Huraira? C'est qui? Shaitan. Et Shaitan, est-ce qu'il y a plus égaré que Shaitan? Il n'y a pas plus égaré que Shaitan. Non. On connaît dans cette histoire aussi qu'il y a des gens qui connaissent le bien, mais ils ne le pratiquent pas. Et cette connaissance qu'ils ont, ce ne sera pas pour eux le jour du jugement dernier, mais ce sera un témoignage contre eux. Combien de gens connaissent le bien, mais ils le délaissent? Nous, les musulmans, nous ici à la mosquée, est-ce que nous pratiquons tout ce que nous connaissons? Non. Combien de choses nous savons que c'est un bien et on ne le fait pas? On les délaisse. Combien de choses nous savons que c'est un mal et on le fait? Donc la connaissance sans la pratique, ce sera un témoin contre toi le jour du jugement dernier et non pas un témoin pour toi. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il disait, je n'ai jamais entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que je le mette en pratique, ne serait-ce qu'une fois. Et dès que je le mets en pratique, je le connais par cœur. Et quand on lui a demandé combien de hadiths il connaissait, il a dit « alf ou alfin », un million. Il connaissait un million de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur. Non. Ça, c'est la bénédiction de l'obéissance, de la piété. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala,
qui fait l'effort dans l'apprentissage de la science, Allah lui ouvre les portes de mettre en pratique cette science, de la transmettre, d'apprendre de plus en plus. Plus tu apprends, plus tu vois que tu es ignorant. Plus tu apprends, plus tu vois que tu ne connais rien. Les grands savants d'Islam qui ont passé leur vie à écrire, à lire, ils se rendaient compte, pour eux, ils étaient ignorants. Car ce que tu ignores est beaucoup plus grand que ce que tu connais. Non. On voit aussi dans cette histoire que le shaitan, il croit en certaines parties de la foi. Il sait que Ayatul Kursi, elle a un effet. Donc, subhanallah, il sait que, c'est-à-dire que c'est Allah tabaraka ta'ala qui met cet effet. Sinon, pourquoi il croirait que juste en récitant quelques paroles, un shaitan ne peut pas t'approcher? Malgré ça, ça ne fait pas de lui un croyant. Cela ne suffit pas de croire en certaines parties de la foi pour être croyant. Il faut accepter la foi en entier. La foi, c'est ce que la langue dit. C'est ce que le cœur croit et c'est ce que les actes, les membres font. Ces trois choses-là, elles font partie du iman. On apprend de cette histoire aussi que le menteur, des fois, ça peut lui arriver de dire la vérité. Comme on voit dans cette histoire. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de shaitan, il a dit quoi? Il t'a dit la vérité. Pourtant, c'est un grand menteur. C'est pas juste un menteur, un grand menteur. Et l'habitude des shayatines, des démons, c'est de mentir. Certaines personnes, des fois, quand qu'Allah nous en préserve et vous préserve, sont touchées par des shaitans possédés ou ils ont une sorcellerie. Quand on leur fait ruqya, quand on leur lit le Coran pour essayer de les soigner avec la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, certaines personnes y croient tout ce que le djinn dit. Il dit oui, c'est ta belle-mère qui a fait le sort, c'est ton grand-père, c'est ton frère, c'est la famille Intel. Et lui, il le croit. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça met la haine entre deux familles. Alors que c'est un menteur. Il ne t'est pas permis de croire dans le shaitan. Le shaitan, c'est un menteur. T'as pas le droit de croire shaitan ce qu'il te dit. S'il te dit c'est elle qui t'a fait la sorcellerie, tu dois pas croire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il est venu dans Sahih al-Bukhari, que quand Allah tabaraka wa ta'ala il décide une chose au ciel, les anges, ils en parlent. Il a fait comme ça au Ubay ibn Ka'b quand il a raconté. Au Sufyan al-Thawri, pardon. Sufyan, il a fait comme ça. Et les shayatins, les djinns, ils montent les uns sur les autres jusqu'au ciel pour essayer de voler des informations. Les anges entre eux, ils parlent. Ils disent, Allah, il a décidé telle chose. Il va se passer telle chose, par exemple. Ils essayent de voler une information. Quand il a volé une information, il transmet à celui d'en dessous, l'autre à celui d'en dessous, l'autre à celui d'en dessous. Après, ils vont voir qui? Ils vont voir les Sahara, les sorciers, les marabouts, les astrologues. Il lui dit, écoute, l'autre, il va venir te voir, tu lui dis, il va lui arriver telle chose. Et il dit, une vérité sans mensonge. Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari. Alors, barakallahu fik. Certains disent, subhanallah, on va chez les sorciers, on va chez les marabouts. Comment il sait? Comment je m'appelle? Comment il sait d'où je viens? Comment ça se fait qu'il m'a dit une chose et effectivement, cette chose, elle est arrivée? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit comment? Parce que celui-là, il a fait un pacte avec Shaytan. Parce que celui-là, kafara billahi al-azim. C'est un mécréant. Parce que cette personne-là, elle adore Shaytan en dehors d'Allah. Alors Shaytan, il lui envoie des djinns pour travailler pour lui. Quand toi t'arrives, il y a des djinns, il va, il regarde, tiens, lui il s'appelle comme ça. Il vient le voir à son oreille, comme il est venu dans le hadith sahih. Il lui parle dans l'oreille comme un poulet. Et il vient lui dire à l'oreille, il y a tel qui arrive, sa mère elle s'appelle un tel, il est habillé telle couleur, il habite dans tel endroit. Quand t'arrives, il te dit, tu t'appelles comme ça, t'habites dans tel endroit. Il dit, comment tu sais? C'est Shaytan, il lui a dit. C'est tout, c'est comme s'il avait mis des espions sur la route qui viennent lui raconter, tout simplement. C'est interdit en islam d'aller voir ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va voir une de ces personnes et qu'il le croit dans ce qu'il dit, il a mécru dans ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 40 jours, sa prière, elle n'est pas acceptée. Barakallahu fikum. Attention, ne vous faites pas tromper par ces gens qui travaillent avec les shayatines et les démons. Non. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, que Shaytan, des fois, il peut prendre l'image d'un homme ou d'un serpent ou d'un chien, mais ce n'est pas sa vraie image. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, lui et sa tribu vous voient d'où vous ne les voyez pas. Donc nous, on ne voit pas les shayatines sur leur vraie image. Si on en voit certains, on peut les voir dans un corps humain, ou en chien, ou en cadavre, comme on voit dans cette histoire, comme on a vu dans l'histoire d'Ubay ibn Ka'b, comme on a vu dans l'histoire de Omar ibn Khattab qui a combattu le djinn, il l'a battu. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum,
que الشياطين, أن الشياطين sont faibles. Ils ne peuvent rien faire devant le croyant fort dans l'Iman. Regardez, Abu Huraira, il l'a attrapé. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi. S'il ne l'avait pas laissé, il ne part pas. Il l'emprisonne. Il le garde jusqu'au lendemain, il l'emmène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubay, il l'a attrapé. Ubay ibn Ka'b, il a dit, viens ici, montre-moi ta main. Omar ibn Khattab, il l'a battu deux fois de suite. Il a dit, t'es faible, toi, vous êtes tous faibles comme ça. Il a dit, non. Il a dit, moi, je suis un des plus forts. Et regardez comment il l'a battu. Je comprends pas pourquoi vous avez peur des djinns. Les djinns, avant, c'est eux qui avaient peur des hommes. Quand ils ont vu les hommes, ils ont peur d'eux, maintenant ils jouent. C'est comme des enfants, les djinns. Et ils te font du mal que par la volonté d'Allah. Et on va voir dans cette histoire comment on peut se protéger justement des shayatin, des djinns, sans avoir recours au shirk, à l'associationnisme, sans avoir recours d'aller voir les marabouts ou d'accrocher des choses autour, des tamaïm autour de sa taille ou autour de ça. Le musulman, il prend aide auprès d'Allah, il se protège auprès d'Allah. Il n'a pas besoin de gris-gris. Il n'a pas besoin d'accrocher des choses. Maintenant, les gens, au lieu d'apprendre le Coran, ils l'accrochent chez lui. Le Coran, il n'a pas été fait pour être accroché. Il a été fait pour être récité. Il a été fait pour être lu, pour être pratiqué. Il n'a pas été fait pour en faire des tableaux. Aujourd'hui, le Coran, c'est juste pour des tableaux. Ou pour poser le Coran plein de poussière sur le buffet du salon. Le Coran, il n'est pas pour être posé, pour faire joli. Il est fait pour être lu. Il est fait pour les vivants. Il n'est pas fait pour les morts. Tu vas dans une maison, il y a un mort, mettre le Coran. Quand il était vivant, jamais ils allument le Coran, ils allument la musique. Mais quand il est mort, ils allument le Coran. Le Coran, il est pour l'ahya, pour les vivants. Il est mort, c'est fini. Ses actes, ils se sont interrompus. C'est fini. C'est avant qu'il a besoin du Coran. On voit dans cette histoire que les djinns, les démons, ils peuvent manger même de la nourriture des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'il fallait faire pour justement se protéger. Premièrement ça, jamais laisser découvert quelque chose sans dire bismillah et tu le couvres. Surtout le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une nuit dans l'année où il y a un mal qui descend du ciel. Tout récipient qui est ouvert, ce mal il le rentre dedans. Alors il a dit, mettez quelque chose, couvrez vos récipients et citez le nom d'Allah dessus. Si vous n'avez rien, mettez ne serait-ce qu'un bâton. Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire bismillah sur toute chose. Bismillah avant de s'asseoir. Bismillah en entrant chez soi. Bismillah avant de manger. Bismillah avant de couvrir. Fermez les portes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Shaytan, il n'ouvre pas les portes fermées. Et il n'ouvre pas les récipients couverts. Bismillah, c'est une protection pour toi contre tout mal. Regardez Bismillah, juste une parole, Bismillah. Non. Il lui a dit, et associe-toi avec eux dans leurs biens et dans leurs enfants. Et Shaytan, il s'associe avec toi dans tes biens. La nourriture, c'est un bien. Si tu ne dis pas Bismillah, Shaytan, il vient, il mange avec toi. Après, il devient plus fort. Après, il te pousse à faire les bêtises, tu peux pas dire non. Parce qu'il est plus fort que toi. Si quand tu rentres chez toi, tu dis pas Bismillah, il rentre avec toi. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé un endroit où dormir. Si quand tu manges, tu dis pas Bismillah, il dit, j'ai trouvé un endroit où dormir ou manger. Si chez toi, il y a le haram, il y a la musique de Shaytan, le Coran de Shaytan, c'est comme si tu l'ouvres la porte. Tu dis, marhaba, entrez tous chez moi. Vous êtes bienvenus. Bienvenue à la maison. Après, la personne, elle se demande pourquoi à la maison, il y a des problèmes. D'ailleurs, le chant et la musique, c'est comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, c'est le Coran de Shaytan. Comme il y a le Coran d'Allah, de Rahman, le chant et la musique, c'est le Coran de Shaytan. C'est la graine de l'hypocrisie dans le cœur. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Non. De même, quand tu dis Bismillah, quand tu te déshabilles, car Shaytan, lui, nous voit, alors que nous, on le voit pas. Mais si tu dis Bismillah au moment de te déshabiller, il ne te voit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah met un voile entre toi et les shayatin. Bismillah avant de rentrer aux toilettes. Allahumma inni a'udhuka min al-khubthi wal-khaba'ith. Bismillah, tu rentres du pied gauche. Comme ça, les shayatins, ils ne te voient pas. Et tu es protégé. Bismillah, même quand tu vas faire l'acte avec ta femme. On connaît tous la dua, inshallah, où il faut l'apprendre. Allahumma jannibna shaytan, wa jannibi shaytan ma razaqtana. Bismillah. Si tu ne dis pas le nom d'Allah quand tu t'approches de ta femme, shaytan, il est avec toi. Après, tu ne te demandes pas pourquoi l'enfant est sorti shaytan. Non. Et Allah Ta'ala, il l'a dit ça dans le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné comment on se protège de tout ça. Certains, ils disent pas Bismillah quand ils se déshabillent. Alors quand ils disent pas Bismillah quand ils se déshabillent, les shaitans, ils le voient. C'est ce qu'ils appellent un shaitan amoureux.
Un homme, il voit une femme, hop, il rentre dans son corps. Il dit, ça y est, je suis marié avec toi, je reste ici, je veux pas sortir. Parce qu'elle a pas dit bismillah quand elle se déshabille. Alors, il l'a vu des choses qu'il devait pas voir. L'évocation d'Allah, c'est là la citadelle, c'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous protège des shayatines. Le nom d'Allah, bismillah. C'est ni le gris-gris, ni Ayatul Kursi que tu accroches, non. Bismillah, dans tout ce que tu fais. Et d'autres adhkar, comme Ayatul Kursi, avant de dormir. Comme il est venu dans le hadith véridique, celui qui lit Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, la seule chose qui l'empêche d'entrer au paradis, c'est la mort. Ayatul Kursi après les prières, Ayatul Kursi avant de dormir, barakallahu fikum, wa l'isti'ada et tous les adhkars, surtout les dhikr. Le dhikrullah, les adhkars masnouna qui sont dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En entrant à la mosquée, en sortant, en s'habillant, en se déshabillant, il y a des adhkars pour tout, il y a des invocations pour tout. Quand tu mets un vêtement, il y a une invocation. Quand tu l'enlèves, il y a une invocation. Quand tu sors de chez toi, quand tu rentres, il faut les apprendre, il faut les pratiquer. Barakallahu fikoum. Fais beaucoup d'évocations d'Allah, matin et soir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, rapporte qu'une personne qui fait beaucoup le dhikrullah, si le shaitan il s'approche de lui, tellement lui fait dhikrullah, c'est le shaitan yusra. C'est le shaitan qui fait une crise. C'est pas l'homme comme un homme, il fait une crise quand il a un shaitan. Là, c'est le shaitan qui fait une crise. Tous les shayatines, ils se réunissent autour de lui, ils lui disent, qu'est-ce qui t'arrive? Ils voient qu'il a fait une crise. Pourquoi? Parce que l'autre, il fait trop le dhikr. Il n'arrive pas à s'approcher de lui. Non. De même qu'on voit dans cette histoire, barakallahu fikum, que les djinns, les shayatines, ils peuvent parler les langages humains. En quelle langue il lui a parlé ce shaitan à Abu Huraira? Il lui a parlé en quoi? Il lui a parlé en arabe. Donc, le shaitan, c'est comme les hommes. Ils parlent des langages. Ils sont de différentes sectes, différentes religions, différents groupes, comme les hommes. Comme chez les hommes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des non-musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des innovateurs, il y a des gens qui suivent leur passion. Chez les djinns, c'est pareil. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant d'eux, « Kunna tara et taqidada », nous sommes de plusieurs groupes. Non. On voit qu'ils volent, et ceux qu'ils volent, ça diminue, et ils trompent. Regardez ce djinn, il a trompé Abu Huraira radiallahu anhu, il lui a dit, je suis pauvre, je ne reviendrai pas demain, je ne reviendrai plus. Et il lui a menti, il l'a trompé, et effectivement, il est revenu. On voit la valeur de Ayatul Kursi, le verset du repose-pied. Ils disent le verset du trône, c'est le repose-pied. Le Kursi, c'est le repose-pied, c'est pas le trône. Le Kursi, le repose-pied dans le trône d'Allah, c'est que comme une bague jetée dans le désert. Et les sept cieux et les sept terres dans le Kursi, dans le repose-pied, c'est comme une bague dans le désert. Non. Allah, il est plus grand que ça. Personne ne peut savoir, imaginer la grandeur d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ça, c'est juste, tu comprends un sens parmi tous les sens quand tu dis Allahu Akbar. Allah, il est plus grand. Les sept cieux, les sept terres, tu les mets dans le repose-pied, c'est comme une bague dans le désert. Et le repose-pied dans le trône d'Allah, c'est comme une bague dans le désert. Alors, sache qui tu es en train d'adorer, ya muslim. Subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, Ayatul Kursi, c'est 10 phrases qui parlent des qualités et des attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est une ayah complètement qui est sur le tawhid, sur le monothéisme. Le plus grand verset dans le livre d'Allah, c'est Ayatul Kursi. Pourquoi? Du début à la fin, elle parle d'Allah, de ses attributs et de ses qualités, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Al-Hayyu, le vivant en lui-même. Al-Qayyum. Al-Qayyum, celui dont toute chose vit par lui. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ni sommeil, ni somnolence ne le prennent. Allah Ta'ala, il n'est jamais insouciant, un instant, ni il n'a besoin de se reposer, ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Non pas, comme disent l'Ahl al-Kitab, qu'il s'est fatigué au 7e jour et s'est reposé. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyah. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, ils viennent à Allah comme serviteur, soumis. Tout lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyama, pour intercéder pour sa communauté, il demande la permission d'Allah. Le meilleur des hommes, il peut pas intercéder sans la permission d'Allah. Il se prosterne, il le loue par des louanges, subhanahu wa ta'ala, et Allah, tabarak wa ta'ala, dit, lève ta tête,
demande, on te donnera, et intercède, on acceptera ton intercession. Si Allah ne lui donne pas, subhanahu wa ta'ala, la permission d'intercéder, il ne peut pas intercéder. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man dhal ladhi yashfa'u Qui va donc intercéder auprès de lui sans sa permission? Non. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah sait ma bayna aydihim, ce qu'il y a devant eux, c'est-à-dire le présent et le futur, wa ma khalfahum, le passé. C'est-à-dire Allah connaît tout. Le passé, le présent et le futur. Ya'lamu ma bayna aydihim. Ce qui est devant toi, c'est quoi? Le présent et le futur. Wa ma khalfahum, ce qui est passé derrière toi. Non. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء et il n'englobe rien de sa science sauf ce que lui il veut subhanahu wa ta'ala la ya'lam al-ghayb illa Allah il y a qu'Allah qui connaît l'invisible personne ne connaît l'invisible sauf ce que Allah il a révélé à ses prophètes ou certaines karamat qu'il a pu montrer à certaines personnes mais sinon personne ne connaît sauf ce que Allah tabarak wa ta'ala a voulu leur enseigner ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم son kursi son repose-pied est plus large que les cieux et la terre et le fait de garder les cieux et la terre ça ne le fatigue pas ça ne le gêne en rien ce n'est pas difficile pour Allah tabarak wa ta'ala وهو العلي العظيم et c'est lui le très haut le très grand l'immense subhanahu wa ta'ala. Voilà ayat al-kursi. Quand tu la lis, c'est comme si tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala et t'intercèdes auprès de lui par ses attributs et par ses noms qui se retrouvent dans cette ayat. Non. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, qu'un voleur, s'il vole parce qu'il a faim ou dans une époque de famine, dans la législation islamique, on ne lui coupe pas la main. Il y a des conditions. Beaucoup de gens nous font croire qu'en islam, c'est une injustice. T'attrapes un voleur, hop, tu coupes la main comme ça. C'est pas comme ça. Il faut des témoins. Il faut que la chose, elle soit d'une somme certaine. Il faut qu'il le sorte. Min hibzi mithli. Qu'il le sorte d'un endroit caché. Il faut qu'il soit sorti de la maison. Etc., etc. S'il y a un seul doute, la peine, elle n'est pas appliquée. Dans un pays qui pratique cette législation-là, bien sûr. Et donc, on voit que dans le Maja'a, Omar ibn al-Khattab, à une époque, il y avait la famine. Il avait jugé, il avait demandé à tous les juges de ne pas juger, de couper les mains des voleurs. Pourquoi? Parce que c'était la famine. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, que si on pense que quelqu'un regrette ce qu'il a fait et qu'il s'excuse, il faut accepter son excuse. Regardez Abu Huraira. Il l'a attrapé. Il pouvait l'emmener au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il l'a pas emmené? Parce qu'il pensait qu'il regrettait vraiment. Il pensait qu'il avait une vraie excuse. Il a accepté l'excuse. Il a demandé l'excuse. Il pensait que c'était quelqu'un de véridique. Il a accepté son excuse. Donc, dans les pays musulmans, barakallahu fikum, si quelqu'un, dans un pays musulman qui pratique la législation islamique, si quelqu'un fait un péché qui mérite une peine, il ne doit pas aller se dénoncer, normalement. Il se repent entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. Et même si, toi, tu le sais, tu n'es pas obligé d'aller le dénoncer. Mais si, par contre, ça arrive dans les mains du juge, il est obligé de juger par la loi d'Allah. Ça, c'est autre chose. Si, bien sûr, il y a toutes les conditions réunies. Mais, satr aula, cacher les défauts des gens, c'est prioritaire. Si quelqu'un, il a fait un défaut, un manquement, un péché, il le laisse entre lui et Allah, tabaraka ta'ala, il demande pardon à Allah. Et si même toi, tu vois un défaut chez quelqu'un, tu le caches. Sauf si, s'il y a un mal pour la société, si le fait de pas le dénoncer, ça peut être un mal pour la société, là, tu le dénonces. Parce que il fait du mal aux autres. Si par contre c'est un mal entre lui et Allah tabaraka ta'ala, et il regrette, tu le laisses, tu le caches, tu ne vas pas en parler. On voit dans cette histoire qu'Allah tabaraka ta'ala a montré une chose de l'invisible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Abu Huraira ne lui a même pas raconté, dès qu'il est arrivé, il lui a dit « Qu'est-ce qu'il a fait ton prisonnier avec toi hier ?» Qui lui a informé? Allah tabaraka ta'ala. On voit que les compagnons, ils avaient la certitude dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, les compagnons avaient la certitude dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'étais sûr qu'il allait revenir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Non. Question, c'est moi qui vous pose une question. Si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, un shaitan, il vient le voir, il lui dit, attention, 10 fois, 100 fois, yabassir, 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 ou 10 mois, 1000 fois telle chose, Allah, il va te protéger, il va te faire telle chose. T'as le droit de le faire ou t'as pas le droit? T'as pas le droit. Ça, c'est une innovation. Taïb, on dit, alors comment alors Abu Huraira, il a fait ce que Shaitan, il lui a dit? C'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, sadaqaka. Donc, cette chose, elle a été légiférée
une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il t'a dit vrai. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dit cela, Abu Huraira ne l'aurait pas pratiqué. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il t'a dit vrai, ça y est, c'est devenu une sunna et une pratique religieuse. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc, on peut pas faire des nouvelles choses qu'il pourrait approuver. Ce qui a été transmis de lui dans les adorations, on le fait. Ce qui n'a pas été transmis de lui dans les adorations, on les fait pas. Non. On voit dans cette histoire, barakallahu fikoum, les miracles. Parce que attraper un shaitan, c'est un miracle. C'est ceux qui ont la foi forte qu'Allah tabarak wa ta'ala lui permet d'attraper un shaitan. Donc, on voit qu'Allah tabarak wa ta'ala peut donner certains miracles à certains croyants. Mais les miracles qu'Allah donne à les croyants, donc, on voit qu'il y a une différence entre les miracles des croyants et les miracles des prophètes. Al-Karama, c'est un miracle pour les croyants. Ou Al-Mu'ajiza, c'est les miracles que les prophètes avaient. Al-Mu'ajiza, c'est une preuve que le message avec lequel le prophète est venu, c'est la vérité. Elle est faite pour être montrée à tout le monde. Alors que Al-Karama, le miracle qu'Allah fait pour un croyant, ça c'est pour lui, c'est pas fait pour répondre à tout le monde ou pour en parler aux gens. C'est pour Allah tabarak wa ta'ala l'a aidé dans une situation précise. C'est pas toute chose extraordinaire, c'est un miracle. Des fois, ça peut être de travailler avec les shaitan. Quelqu'un, par exemple, il veut faire croire que c'est un homme pieux, il marche sur l'eau. Ou il va mettre son tapis sur l'eau, il va prier. En fait, c'est le shaitan qui tient son tapis. C'est tout. Tout ça pourquoi? Pour profiter des gens. Ce n'est pas toute chose extraordinaire qui est un miracle. Il y a des choses, c'est des miracles, il y a des choses, c'est de la tromperie. C'est la sorcellerie. Barakallahu fikum. On voit que toutes les choses importantes, on doit les amener aux savants. Comme Abu Huraira, il a voulu ramener cette affaire devant qui? Devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devant qui on va amener ça? Aux héritiers des prophètes. Qui sont les héritiers des prophètes? Warathatul anbiya, al-ulama, les savants. Alors on ramène les histoires ou les jugements devant les gens qui peuvent juger bi kitabillah subhanahu wa ta'ala ou bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. On voit aussi la vigilance, l'envie d'Abu Huraira d'apprendre la science. Le rapporteur dans le hadith, quand on a lu tout à l'heure, on a dit cette parole, et c'est ceux qui cherchaient le plus le bien. Il parlait de qui? Des sahaba. C'est le rawi, c'est le rapporteur qui dit ça. Il a dit ça en plein milieu du hadith. Il l'a laissé partir juste pour une chose. Le fa'id al-ilmiya, pour la science. Car les sahaba, ils donnaient une grande importance à la science religieuse. Il s'est dit, si j'apprends quelque chose, juste pour ça, ça a plus de valeur. Alors je le laisse partir. Non. On va finir, barakallahu fikum, de tirer des règles de cette histoire avec quelques conseils. Comment la personne peut se préserver du shaitan? Première chose, c'est en s'attachant au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la guidée des pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des suiveurs et des trois premiers siècles. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, s'entourer de personnes qui craignent Allah. Car le loup mange toujours la brebis égarée. Quand on est seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rakbu shaitan. Un voyageur, c'est un shaitan. Et deux, c'est deux shaitans. Wa thalathatu jama'a. Et trois, ça y est, c'est un groupe. Plus de croyants ils sont ensemble, moins shaitan il a une emprise sur eux. C'est pour ça que shaitan, qu'est-ce qu'il cherche le plus? At-tafarruq. Diviser. Parce que quand il nous divise, il peut mieux nous égarer et nous éloigner. C'est pour ça que l'islam a interdit beaucoup de choses qui mène à la division. Et c'est pour ça que Shaitan, quand il réunit ses troupes sur l'eau, il leur demande « Qu'as-tu fait, toi ?» Il a dit « Ça, c'est rien, ça, c'est rien. » Et quand une personne, elle dit « J'ai divisé entre un mari et sa femme », il dit « Viens ici. » Il l'assoit, il l'élève, il le loue. Il dit « Toi, c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça, la division. » C'est pour ça Allah tabarak wa ta'ala a dit à mes serviteurs de dire les meilleures paroles. Car Shaitan insuffle entre eux et il utilise une parole que t'as dit, il la tourne un peu de travers, elle arrive dans l'oreille de l'autre un peu de travers, c'est fini. Non. Si tu veux te préserver de shaitan, tu fais le contraire de shaitan. C'est quoi le contraire? Il mange de la main gauche, tu manges de la main droite. Le bâillement, ça vient de shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de retenir quand tu bailles ou de mettre ta main. Tout ce qui peut gêner le shaitan, tu le fais. Barakallahu fikum. De même, évitez de ressembler au shayatin al-ins. Shaitan, il y a des hommes, il y a des djinns. Tous les groupes égarés ou les groupes déviés ou les gens qui sont déviés même dans leur pratique ou dans leurs mœurs,
tu vas pas t'habiller comme eux, tu vas pas faire les mêmes coupes de cheveux qu'eux. Ça, ça a une influence sur toi. Non. وَكَذَلِكَ En préservant les prières, faisant le dhikr Allah, l'évocation d'Allah, tabarak wa ta'ala, kathiran, beaucoup, matin et soir, après le fajr, après le maghrib, toute la journée, après les salawat. Donc je répète, ayatul kursi, après chaque salat, quand tu vas pour dormir, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Après chaque salat, tu les récites. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter après chaque prière obligatoire les trois kouls. Et après le maghrib, le fajr et le maghrib, trois fois. Trois fois les trois kouls. Une fois ayat al-kursi, trois fois. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Trois fois. Après chaque prière, barakallahu fikum. Et l'adhkar, le kathira qu'on trouve dans Sahih al-adhkar, les petits livres, Wahisn al-Muslim, qui ont été vérifiés. Barakallahu fikum, le dhikr en rentrant à la mosquée, en sortant, en s'habillant, en sortant de chez soi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu dis ça, tu sors de chez toi, tu dis ce dhikr-là, tu es bien guidé, tu es protégé, et Shaitan, il s'enlève de ta route. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu sors de chez toi, tu dis ça. Si tu dis, après chaque salat, après le fajr et après le maghrib, 10 fois, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 fois alors que tu es encore à genoux juste après la prière après 10 fois tu es protégé contre le shaitan toute cette journée toutes les choses sont présentes pour être préservé du mal des shayatin mais on l'utilise pas ونذهب إلى العرافين والسحرة on perd notre religion et notre vie en allant voir ces gens là بارك الله فيك كذلك En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il protégeait ses enfants, ses petits-enfants. Quand c'est un garçon, tu dis, U'idhuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin nam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander protection pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Donc, faites-le aussi, barakallahu fikum. C'est facile. U'idhuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin nam. Tout ça, on trouve dans les livres, barakallahu fikum. Donc tout cela, barakallahu fikum, avec ces moyens-là, on est préservé, on a beaucoup de récompenses et on est préservé, barakallahu fikum, des shayatin. Fansallah tabarak wa ta'ala, yahfadana jami'an, wa yuwaffiqna jami'an, wa yuhibbu arda, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa qur rabbi zidni ilma.